Daniel. Les poissons, les camps de l'attaque, ça va saigner. Ouh. Fabio, c'est une sorte de poète italien, baroudeur depuis toujours. La moitié de l'année, il tient une petite cabane d'artiste à Saint-Trojan. Le reste du temps, il part en road trip avec son kangou. Le bordel quotidien qui s'efface. Bah en même temps, là, tu vis pas dedans, là. Non. Là, je ne vis pas dedans, mais je te montre comment on peut arriver à trouver des résolutions absolument géniales. Regarde ça. Ça fait un psy, là. Ouais. On enlève les trucs. Ah ouais, là, t'as la place. Regarde ça. C'est la fermeture des portes d'en bas, là. Ah ouais. Ouais, toi aussi, ça rue. Bah, c'est l'air salé, là. Ah ben oui, c'est l'air salé. Là. Là, en ce moment, ça sert plus à transporter ton matos, quoi. Oui. D'ailleurs, j'en profite pour... Bah attends, je vais t'aider. Une petite astuce. Pour moi, pour les Maghrébins, parce que on te demande quand tu voyages au Maghreb, si vous avez un petit cadeau. Et alors, parfois ils le font avec insistance. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi? Ce sont deux amandes que j'ai prises au Maroc. Valeur 5 dirhams et 400 dirhams. Ouais. Alors quand on me demande un petit cadeau, j'ai déjà donné. Donc j'ai un justificatif comme quoi ils peuvent aller se faire mettre bien profond. Tu vois? Parce que moi j'ai déjà payé des amandes. Donc ta gueule avec ton bachiche de merde. Voilà. Fin de l'histoire. Alors du coup, tu vas au Maroc avec? Absolument. Au Maghreb? Là, on va repartir cette année, si Dieu le veut, version française, Inch'Allah, version marocaine. Voilà. Ah. Et par grand soleil, voilà, je te montre comme avec deux bâtons de ski. C'est des bâtons de ski? Oui, absolument. Au bout, il y a ces deux bâtons de ski. Ah. Attends. Donc ça, c'est... Ça, c'est une vitesse. C'est d'une vitesse que même... Les héros de Marvel. Donc quoi, Spider-Man, il peut aller se faire. Puis un œuf. Et là, c'est le petit au vent, trop pratique, quoi. Voilà, regarde. Tac. Allez, protection pour les ciboulots. pour passer mal. Un bon flotteur de la pêche. Calé avec des manches de couteau. Lame est cassée. Hop. Voilà. Et un. Ah ouais. Et. J'avais oublié. Cas de coup de vent, en cas de coup de vent, on lui met une sécurité pour l'envol. Donc, nickel. Ouais. Je défie n'importe quel camping-cariste à faire plus vite que moi. Ah ouais, ouais, ouais. Et donc, quand tu es à point, là, hop, voilà, l'ombre du soir qui a inspiré l'œuvre de ma Toscane natale, l'œuvre étrusque la plus connue, universellement connue, l'ombre du soir. Voilà. Cher ami, voilà. Et du coup, sur ton toit, c'est quoi, sur ton toit? Sur le toit, donc...
coffre des toits. Petite capacité, petit volume. C'est une barque? Mais. T'as transformé une barque? Affaire. Non. Ça, c'est un vrai coffre des toits. Ah ouais, on dirait une barque retournée. Et non. Ça, affaire des fèches. Ouais. Carrelé. Stockage vivre, charge d'eau pour mon réservoir, capacité utile 25 litres à débordement. T'as 25 litres d'eau sur le toit pour prendre ta douche, comme ça chauffe dans le désert, c'est ça? Absolument. Après, avec ça, on recharge. Et avec ça, c'est génial. On récupère l'eau quand tu laves, tu rends tes petits doigts de fée, tu peux récupérer l'eau pour faire la vaisselle. Donc on met un seau ici et au moment qu'on déverse l'eau, elle est récupérée. Nickel. D'une manière automatique, la manière, il n'y a pas d'eau, c'est pas la peine d'en transporter inutilement. Et voilà. Et ça, du coup, c'est quoi? C'est des panneaux? Ça? C'est des trucs de signalisation, non? Absolument. Qu'on peut se procurer sur la route, sur les grands virages, à 3h du matin. Mais faites attention parce qu'il y a les queues. C'est un peu de la piraterie quand même. Hein. C'est de la piraterie. Non. Il y a deux possibilités. Soit vous les volez sur les routes, chose à pas faire. Soit vous les faites voler par les copains. Surtout s'ils travaillent à la voirie ou ailleurs. Voilà des deux. Et autrement, ça laisse une bonne résolution parce qu'ils sont très costauds. Et c'est mieux qu'un PVC qui devient cassant avec le soleil. Ouais, puis c'est léger. Ah ouais, c'est vachement plus léger. T'as jamais eu d'emmerde avec les flics qui t'ont dit qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, ils ont même pas reconnu que c'était des trucs de signalisation. Mais non, mais ils ont pas à extrapoler de leur service, donc et à venir investiguer sous mes lancers roquettes. Ça manque plus que ça. Laissons-les faire leur boulot. Ils n'ont déjà assez, et surtout pas dire du mal parce que ça pourrait nous retomber sur la gueule. Mais non, il n'y a pas de raison. Ça n'empêche, ça a de la gueule, hein? Ouais. Avec, tu vois, les coins. Des barbouillages, rasages. Hop, hop, hop. Ah ouais, il y a plein encore de trucs là-dedans. D'accord. Hop, hop. Voilà. Là, ici, tu te mets là comme ça pour faire. Et après la vie est belle. Il n'y a pas de problème. Et là, c'est quoi? C'est du matos de pêche au-dessus de ta tête? Ça? Ouais. Non, ça c'est pour poser des blousons, tu vois, des. Ah ouais, c'est des affaires. Fringues. C'est un wishbone là, de planche à voile. Ok. Avec un morceau des plastiques là pour les huîtres. Ok. Mais ça sert comme quand tu t'enlèves un blouson et tout ça pour pas l'avoir dans les faces, tu peux le mettre aisément là dedans, tu vois. Oh. Ouais. Nickel. Tu le mets là, ça s'accroche. Avec le petit gaz là-bas. Aussi. Costaud. Ouais. Trop bien. Bon bah merci. Je vous en prie, ma chère.